Voilà, j'ai commencé l'enregistrement. On va découvrir enfin la salle sur demande de VOD. Depuis le temps que je la réclame. Je suis à 20h de jeu, je l'avais pas. Je suis pas à 20h, mais je suis à 15h, je pense. On est parti. Professeur Weasley ? Toujours pas testé Rez ? Il vaudrait mieux éviter d'être vu. J'ai pas. Désolé, vu que je suis un peu fatiguée, peut-être que j'ai pas la ref, sinon je l'aurais. Mais oxycérèse. Rez. Resident. Evil. La poisson. Ah oui, non, bah j'attends. J'avoue, ouais, c'est vrai que si, je voulais. J'ai un peu oublié. Vu qu'il m'en reste du holly, il m'en reste pas mal. J'attends un peu d'en avoir moins, quoi, parce qu'on en a beaucoup encore. Enfin, beaucoup. Demi-boîte. Après vous, professeur. Elle a vraiment la classe, cette prof, j'aime beaucoup. Mais j'avais oublié que ça s'appelait Rez. Hein. Heureusement que j'ai mis en favori, sinon... J'ai beaucoup de très bonnes idées, mais tu es beaucoup génial. Hein. Oh, mais moi aussi, j'ai un swag de ouf, en fait. En vrai, c'est magnifique, comme ça. C'est magnifique. Quel est cet endroit ? Oh, tu es trop mignon. Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver. En marchant près de ce mur, tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi Voyable. À la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Bon, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Et des bougies qui flottent et tout. Vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh, j'ai tout cramé. Pas ah, je peux pas. Pour escalader tout ce bazar. Oh. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco. Evanesco. Pour faire disparaître des objets. Oh, can you see me do my own. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette. Ok. Evanesco. Superbe. Maintenant, lancez Evanesco sur ses chaises. Oh, je remettrai ma cam après. Tic-tac-touc. Ah, je me suis trompée. J'ai mis à la place de ça. Excellent travail. Ah ouais. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Ça transforme la viande de chèvre en eau. Je connais. Par Merlin, où se trouve cet elfe? Sympa en tout cas cette salle. Par Merlin, ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Revelio. Oh, bonté divine. Pourriez-vous faire moins de bruit? Certains d'entre nous essaient de se reposer. Je vais vous éclater! Je sais pas qui je suis! On se croirait un peu dans certains niveaux, certaines pièces de Little Nightmare, surtout le 2. On est dans des écoles et tout ça, on a des bibliothèques immenses qu'on doit escalader, on est tout petit. Ok, je vais commencer à faire des trucs, attendez. Là. Ça je garde et... Ça je garde. Mais du coup, celui-là... À gauche. Comment je fais? Comme ça?
Et ben là, je mettrais peut-être garder Lumos. Ou alors je mets rien. Des vieux ça, mais je mets Réparo et Disparigo, et ça c'est mon truc utilitaire pur, je pense. Ouais, ça aussi, mais bon. Et ensuite là, full offensif, où je vais mettre genre ça. Pour le moment, hein, de toute façon, j'ai pas beaucoup de sorts, donc. Voilà. Pour les vieux, ça, je peux mettre ailleurs. En fait, je mettrais bien disparition. Ici. Ça peut être bien. Mais du coup, je switch comment, juste comme ça? Je peux pas switch facilement? Ah si, attendez. Ah, c'est pas mal. Ça va. C'est instinctif, ça va. Il y a rien en dessous. Non. Enfin, derrière. Ok, je peux aller là. Et tout d'un coup, je peux monter, mais... Non, ce sera pour le retour. Du coup, il faut que je monte là, mais est-ce que je puis? Ah oui! Bon, dis donc. Des fois, j'arrive même pas à monter une marche, hein. Je peux avoir un second set de sorts. Ouais, je peux en avoir plusieurs. Et ça, ça fait partie des trucs que t'as dans les points. Par contre, je crois qu'on a un chapeau sublime. Du coup, c'est dans les points de talent de trucs cœur ou je sais pas quoi. Il est pas mal. Ça fait un peu plus fashionista. Je vais garder, je vais voir si je sais pas. Semi-FK, j'ai fait un bon nap. Moi c'est fait, j'ai mangé là. T'as mangé quoi toi du coup? J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Attention, arrêtez cette personne. Non. Lumos. Non. Qu'il y a toi? Pourquoi tu veux m'arrêter? Je te crame? Pourquoi tout le monde me déteste? Je suis pas fan de l'écharpe. Moi non plus, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc quand je mets pas d'écharpe. Du coup, j'avoue que je préfère quand même ça que pas d'écharpe pour le moment. Petite tasse de thé là. Nous verrons plus tard. J'ai des trucs à loot à des endroits un peu improbables. Hein. Et voilà, un arbre sans âme. Alors comme ça, la salle estime que j'aurais besoin d'un bain, quelle toupée. En même temps, quand tu vois l'état de la baignoire... Je sais pas pourquoi, mais la salle estime que j'ai besoin d'une baignoire sale. Enfin, remarquez sa prof. C'est la prof, je crois. Jolie. Réveilio. Il y a des trucs que je manque qui sont en hauteur et qui sont loin. Comment que je les ai? J'en ai plus tard? Ce que je veux, moi. Lumos. Mince, c'est quoi, c'est ça?
C'est ça. Non, bah je vais suivre le chemin, je vais peut-être pas revenir trop en arrière. Ouais, non, je vais suivre le chemin. Du poulet avec des pâtes, avec du toaster à qui je crois. J'ai la chaîne d'aller regarder dans... Ouais, d'accord, pas de soucis. Poulet, pâte, sauce, quoi. J'ai compris l'idée. J'ai compris l'idée du repas. Ah, ça a repoussé entre temps, mais c'est plus joli comme ça. Allez, je suis le chemin. Oh, il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Moi, ça me dérange quand même que ma prof est un elfe de maison. Qu'est-ce que c'était ? Me dérange, hein. C'était un vif d'or ? Ah, j'ai pas vu. J'ai vu un petit truc passer, mais je pensais que c'était comme les papiers, les trucs. Grise pour trouver la solution. La solution à quoi ? Il y a vraiment une énigme là ? Je vois juste un truc qui me gêne. Hein. Ça va être vite résolu cette histoire, moi. Hein. Juste à chaque fois, je cherche les touches pour changer mon set de sorts. Bon, si disparu ou machin, ça marche pas. Sur une tasse de lait avec des princes, c'est bien. J'aime bien aussi. Ça me plaît bien, moi, ça. Non mais je bloque. Non mais je veux bloquer les vieux sauts. Je veux que ça s'arrête en fait. Je veux que ça vole plus. Comment je fais? C'est foutu, ça volera toujours. Bah ouais, voilà. Je voulais pas que ça fasse ça. Attends, arrête de viser, je t'en supplie. Laisse-moi voir. Oh non, mais il vole, mais je veux pas qu'il vole. Fais chier. Je sais pas comment Explosio, bah ça peut pas, ça fait rien. Incendio. Mes propres sorts, j'arrive pas à les annuler. Je voudrais qu'ils volent plus. Là du coup je comprends pas. Ah mais un truc dessus. Ah mais un coffre dessus. J'avais même pas vu moi. Mais non mais pas toi, je vise l'autre truc. Oh, je vais péter un câble hein. Voilà c'est super. Ne vole plus. Attends, arrête de viser. Oh, oh la visée. Oh, là. Ça c'est bizarre parce que parfois je monte vraiment des hauteurs de ouf et là mon personnage s'accroupit. Il n'y a aucune raison mais il s'accroupit. Là je peux pas escalader ça. Il y a vraiment, c'est un peu fucky au niveau des hauteurs. Tu es derrière celui-là, ouais, non, mais je me doutais que ça ferait ça. J'ai les hauteurs et il y a un truc chelou. Ouais, finalement, c'est bien une énigme où je pensais pas, mais en vrai, je peux juste faire ça. Attendez.
Juste faire ça. Arrête de t'accomplir ça pendant 10 minutes. J'ai vu le X s'activer à travers. C'est la soluce, mais ça peut marcher. J'y suis presque, hein. Voilà. Haute forme par revanche. Oh, sympa aussi, les hautes formes, là. Avec des caisses dans tous les sens. Ouais, c'est ça. En vrai, c'était peut-être la solution. Non. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Je sens que ça va être joli. Hey, attention. Mais il sait pas que t'es là. Oh, vous êtes là. Salut, Chic. Ici. Chic va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chic, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chic était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chic est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chic est ravi de vous rencontrer. Chic est mon ami depuis ma deuxième année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chic. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chic, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle Chic. C'est Chic. Ouais, chercher une autre en hic. Mais effectivement, j'ai ça en tête. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chic a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potion. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherche un endroit à l'abri des regards indiscrets, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit sans distraction dans lequel je pourrais réviser. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Comme ça déchire. Je la préférais avant. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. Au revoir les coffres. Mais oui, c'est affreux. Les loots. Il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Ça dégoûte. Excellent. Il est capable d'identifier... Bon, c'est pas grave, j'ai eu les vrais coffres. Il restait juste des petits sacs. Les effets précis. Mais ça faisait sûrement des sous, quoi. Ah, ça y est! Il était temps qu'on puisse identifier notre matos. Un chapeau léger et une canne tannée. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile.
Bon, c'est ma propre salle, alors ça me ferait qu'il y ait des trucs cachés et je me suis coincée derrière. Comme des noces et chelou, une heure après avoir mangé. Donc j'ai fait un petit somme. Ah. T'as mangé un truc pauvre. On les loot, mais oui, non, mais c'est vrai que c'est. Je pensais pas que ça allait disparaître comme ça, là, ça dégoûte. Ça dégoûte. J'imagine que le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Invocation ? Oui. La magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. En fait, c'est pour se... Mince, j'avais oublié d'avancer. Pour se servir des créasorts. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elle a des lunettes presque comme la mienne. Obtenu en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître. Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Ok. J'ai Pyjax. Juste, ils sont où? Ah, c'est un sortilège. Du coup, faut que je le mette là. Ah oui, c'est celui-là. Mettre ici. Merde. Il y a plusieurs. Ah non, d'accord, ok. Poste de potion gothique. Scientifique, fais voir. Ok. Botanique. Oh, il est sympa le botanique. Poste de potion assez classique. Bah, j'aime bien aussi. Et le gothique. Ah, il est sympa aussi le gothique. De gothique. Oh, je peux changer la couleur. Incroyable. Attendez. Je peux pas là si je fais ça. Là, je fais disparaître. Du coup, je remets ça. Attends, ça déchire. Changer de couleur. Mais c'est fantastique. Bah oui, je vais pas laisser du rouge serpentard dégueu là. Du rouge serpentard, qu'est-ce que je dis? Oh, j'ai dit une abomination. Du rouge huifondeur dégueu. Le botanique est quand même sympa. On va botaniquer. Et si je le mets en vert? Sympa. Jaune, il est cool en fait. Moi, ouais, il est beau. C'est ton QG. Ouais, tout à fait. Voilà, si il va jouer à ce jeu de son côté. Je pense pas, non.
Sauf si, si un de ces quatre, il est curieux de l'univers et tout, mais il y connaît vraiment rien à Harry Potter. Et vous remarquez, moi je connaissais pas grand chose non plus. Mais du coup, je crois que c'est pas... Voilà, il m'a pas dit spécialement qu'il avait envie d'y jouer. Après, il pourra y jouer via le partage de compte s'il a envie. Moi, je lui mets à disposition sans souci. Ah oui, d'accord, quand j'ai pas la place, ok. Je mettrais bien celle de l'autre côté, comme ça. Comment je change de... Faire pivoter. Ah oui, comme ça. Incroyable. Potions, à condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions après au lard ou dans la nature. Attends, j'ai pas fini. Et là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ces conseils. J'aimais bien la salle en bordel, moi aussi. J'aurais bien aimé qu'il y en ait. Elle était immense. Donc évidemment, si tu dois commencer à personnaliser ça, c'est chiant. Mais une petite, mais dans cet esprit-là, avec plein de trucs qui flottent en l'air et tout, c'est trop bien. Mais bon, peut-être qu'on peut le recréer ce bordel en fait quand on aura des objets. Est-ce possible d'utiliser ce type de magie en dehors de la salle de classe? L'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château. Des enchantements permettent de les contrer. Il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait. Mais la salle sur demande possède ses propres règles. Oui, mais la disparition, faut bien que je fasse dans d'autres objets. Vous pouvez m'en dire davantage sur Chick? Ouais, pourquoi vous avez un esclave? Depuis plus longtemps que moi. Et semble en connaître tous les recoins et mystères. Nous avons découvert cette salle ensemble quand j'étais élève. Chick bénéficie de beaucoup d'expériences, acquises à la fois à Poudlard et à son précédent poste. Je laisserai Chick vous en dire plus quand il se sentira prêt, mais encore une fois, vous devriez suivre ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Un autre sort de... Hein? Il y a plusieurs... Hein? Qu'est-ce qu'il raconte ici? Bon, attendez, on va refaire un peu mieux. C'est parti. C'est parti pour le moment où on va s'éclater, là. Mais je peux le déplacer? Maintenant qu'une fois placé, non, j'ai pas l'impression. C'est un peu dommage. Je suis obligé de le faire disparaître. Ou alors j'ai peut-être pas le... Peut-être pas la bonne touche. Oh bah en vert, il est pas mal. Finalement. Moi, je peux pas le mettre là? Là, ça va être l'éclat total. Non. Change la couleur. Et tuto avec la prof. Ah, mais je sais pas, elle m'a dit des trucs. En fait, j'aime pas cette table, elle est pas jolie. Oh, celle-là est classe. Celle-là, en vrai, est sympa aussi. On change les couleurs là. Et celle-là, non, ça fait trop cuisine. Ma préférée. En bleu. Comme ça, sympa. Ouais, je vais aller lui parler. Laisse-moi mettre des trucs. Mais c'est chiant! Y'a rien qui va! Ça va jamais! Mais! Je vais mettre un peu comme ça en bordel.
pas beaucoup de différence. Bon bah je reparle à la prof. Jaune Poussouf, bah en fait le jaune ça va bien avec le vert. Ça fait des couleurs... comment ça s'appelle ? Des couleurs de nature, j'aime bien. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand sur le mur, tu perds les tiroirs. Oui, non, mais bon, les interactions sont pas très réelles, hein, donc... La leçon de quoi ? Décoration intérieure. Hein. Eh ben, let's go. J'ai tout ce que vous aviez demandé, professeur. Ah bon ? Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Mais oui, petit tips, comme vous pouvez le voir à ma tenue, petite info, je vais pas mettre du vert partout parce que je suis serpentarde en fait. Je vois pas la vie en monochrome. Désolé. Alors m'en mardez pas. Invoquer des décos. Oui, bah je comptais le faire, effectivement. Accessoires. Bureau de description. J'en ai plusieurs ? Non, j'en ai pas plusieurs. Est-ce qu'il est moche ou il est pas moche ? Allez, place-le ! Eh ben, j'aime bien son style. Bleu, sympa. Vert, sympa. Oh, pas du tout. Jaune, sympa. Comment ça, votre budget maximal ? Eh, je veux m'énerver, hein. D'où j'ai un budget ? C'est ma salle sur demande, bordel ! Décoration murale, qu'est-ce que j'ai ? Il y a des cadres, des cadres, des cadres. Des miroirs. Oui. On fout un peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça sera pas mal si je mets le bureau ici. Ça ira trop bien. Ce sera logique. Et ça, c'est les petits cadres à la con. Je vais mettre là. Petit cadre à la con. On fout. Ok. Et si j'ai de tiens tapis ? Ça, ce sera pourquoi je mettrai mon bureau. Viens un peu, s'il te plaît. Viens un peu. J'ai dit un peu ! Mais c'est pas centré, en fait. J'ai pas changé la couleur. On verra. Tu vois celui-là ? Oh, il est cool aussi. Mais là, il y a un serpent, alors j'aime bien. Ok. C'est un vrai bureau, ça. On a électique. Sympa. Scientifique. Gothique. On met celui-là. Oh, en blanc, il est sympa. On va pas tout assortir, ça n'a pas de sens. Vert, si en vert il est bien, je vais mettre en blanc. Incroyable. Alors tu peux changer la taille, tapis aussi. Je pouvais pas changer la taille, je pouvais changer la forme. Attends, je vais checker. Hein. Ah bah non. Ah, changer la taille, pardon, j'avais pas vu. Ah, je peux faire des gigas immenses, ok. Et miroir aussi alors, ok. Merci. Junior. Ah bah très bien ça. Petit tableau. Là aussi je peux faire des immenses. Bon, non.
il est sympa. Mince. Je peux quand même changer ou pas? Merde. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Non. C'est pas vrai, tu mens. Attends. Je suis obligée de... de faire ça. Ouais, je peux pas modifier un objet qui est comme ça. Qui est déjà posé. J'ai pas trouvé en tout cas. C'est très chiant du coup, t'es obligé de le faire totalement disparaître. Même si t'as réglé la taille, l'endroit et la couleur avec minutie, t'es obligé de le faire disparaître si tu veux juste un tout petit peu le déplacer. C'est mage d'eau. Ça la prend après. Ah. Chic est épaté par le nombre de... ou jaune. Ouais. Je sais pas, les deux j'aime bien. Là ça va ensemble, mais j'aime bien que ça aille pas trop ensemble. Ça... c'est pas du tout des meubles dans le même style, ils ont pas à aller ensemble. Hein. Même si bon, là ça juste... enfin, ça fait un peu... un peu... très jaune quoi. Ouais. J'aime pas bien les couleurs là. Moi j'aime pas bien les styles. Mais ça flotte, ça, c'est joli. Alors, comme ça pour que ça ait l'air d'être simplement en bois. Non. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Eh tu... hein? Calme-toi. Ok, et on va changer la couleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je pensais qu'on avait dit canapé. Tu peux faire centre de la pièce. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait foutre? Ok, décoration murale. Ah mince. Bah, je vais le faire. Ah, j'ai roulé. Bon, je vais le faire là. Il y en a pas. J'ai oublié le sort, c'est ça? Mais de quoi? J'en ai pas non plus. Eh, hey, Chic, t'es taré, hein. T'es malade, mon gars. T'es un grand malade. On a un tableau. Portrait sorcier contemplatif, sorcier élégant, sorcière. Coupe qui dit... ah, la sorcière. C'est pas du tout sorcière. Bref. Ah, c'est sorcier élégant. Pas celui-là. Oh, c'est avec les petites bestioles qui a une taupe bizarre. Attends, et je peux changer la taille alors. Let's go le mettre en immense. Il est parfait. Pas du tout centré, c'est génial. Du coup, on va devoir le virer. Comment ça? À la suite. Mais il est pas centré? Il se centre tout seul normalement. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Il m'agace l'autre à dire des trucs qui n'ont aucun sens. Et vous devrez vous réjouir. Vous avez fabriqué des potions un jour dans votre vie, sûrement. En vrai, c'est vrai. On va mettre ça. Il me faut notre décoration murale de toute façon.
Par couleur, c'est par défaut. Souvent, c'est plus joli. Ah ouais. Avec une couleur forcée qui rend pas ouf. Ouais, je pense aussi que faudrait que je regarde à chaque fois. Quelle est la couleur par défaut? C'est bon? J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération pour le personnage. Mettez à la place de l'humus. Ok, c'est cool. Modifier la couleur, modifier la taille. Oh là là. Oh non. Ça me réchauffe le cœur de voir votre intérêt pour la botanique fleurir, si j'ose dire. Ah, c'est parce que j'ai mis des objets de botanique. Modifier la couleur. Est-ce qu'il y avait une couleur pas ouf, ouf. Moi ça. Beau travail. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Dis-moi, dis-moi. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Fantastic. Ok. Qu'est-ce que je me disais que je pouvais modifier les trucs Wouah. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas? Chick, si tu veux bien. Bien sûr. Hein? Professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. What is that? Parlez à Chick quand vous voudrez commencer. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. C'est cool. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Nature. Oh, lune, nature, sombre, mystérieuse, mais tout en fait. Hein. Je vais mettre naturel. J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. Ça semble parfait. Mais tout me donne envie. Hein. Ciel étoilé, ambiance sombre, mystérieuse, tout a l'air stylé. Hein. Ah. Ça change juste la lumière. Il y a des trucs qui volent. Cela change tout. Oui. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Toutes les ambiances à la voix, s'il vous plaît. Oui. Vous avez beaucoup appris sur l'altération. Oui. Merci, professeur. En effet. Bon, désolé, j'ai passé. Combien de temps je passe ici? Elle parvient toujours à me surprendre. Mais je veux continuer, en fait. Donc, je suis dans ma lancée. Ah, il y a une autre petite salle ici. Mais c'est trop cool. Mais elle est immense! C'est un QG de ouf! Oh, c'est trop bien! Un espace encore plus grand! Qu'est-ce qui s'est passé?
La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Ah, j'ai besoin d'un truc qui immense. Il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créasors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. C'est Merci, trop bien. Professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Des fois, j'avance un peu. Changer mur, sol, plafond. Ouais, sol, plafond, déco. Oui, je vois ça. Je peux tous les trucs un peu muraux, les décorations, les colonnes, machin. Je vais changer un peu les ambiances, on va voir. J'ai passé 12 heures dedans. Mais je crois que, ouais, hein. Le housing est génial, c'est super sympa. En plus, dans une ambiance de fou. Je vais voir ce que ça fait, sombre mystérieux. Et après, la lune. Sombre. C'est pas. Oh, c'est sympa. Eh, j'aime bien. Là, franchement, j'aime bien. Lumière de la lune, ça fera peut-être trop blanc. On va la regarder quand même. Ouais, ouais, j'aime bien cette ambiance. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Non, mais tu le sais. Du coup, lumière de la lune. Je voudrais. Oh non, c'est bien aussi. Planète Zoo, planète Poudlard. En fait, c'est bien comme ça. L'ambiance de la lune, c'est très sympa. Vous avez préparé beaucoup de potions. Mais arrête, tu m'ennuies par contre à me dire que je dois me réjouir parce que j'ai préparé des popos. Je ne vois pas le rapport. Il y a des poissons? Ok, on va tester d'autres trucs. Vous n'avez jamais vu autant de plantes. Et il m'énerve à parler, hein. Par exemple, ça. Oh, c'est sympa. Ça aussi, c'est sympa. J'aime bien les trucs avec des plantes, moi. Il y a un style en vrai avec ça, comme ça. Ah, sur cette puce, ça s'applique à tous les murs. Alors attends, genre comme ça? Non. Ah oui, appliqué maintenant, appliqué à tous les murs, étagères et livres. J'ai fait en vert, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, ça se modifie très facilement. Quoi qu'il y ait un style, hein. Mais c'est trop. Je vais faire la couleur de base. Merde. On va tester aussi ça. En couleur de base. C'est joli, ça aussi. Le sol. J'aime bien parce que c'est un parquet. Les autres, je les aime bien, mais c'est que de la pierre. Celui-là est super stylax, mais bon. C'est fou, c'est vraiment... c'est froid. Merde! J'aime bien que ce soit du bois en fait.
préparé beaucoup de potions. Mais tu m'embêtes, toi. Alors. Protego. Merde, je vais y arriver. Oh, trop bien. Les colonnes comme ça, moi j'aime bien. Bon, du coup, j'ai quoi comme autre objet? Parce que j'ai pas trop regardé. Les petits paravents. Oh, mais c'est mignon! Et là, je peux l'altérer, celle-là, la table. Attends. J'aime bien une petite table comme ça de pierre. Protego. Putain, je vais rêver. M'énerve, à chaque fois je fais la même erreur nulle. Les tout petits sièges. Non, 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 attends. C'est ça que je vais faire. Je veux pas que ce soit la même couleur, j'aime pas. Alors. Ouh, c'est mimi. Imaginons là, je veux faire un petit espace sympatoche. Je vais là-dedans et je regarde ce que j'ai. Vous faites botanique. Oh ouais! Oh ouais! Petit trophée là! On va mettre genre là. Ah mais ça change la couleur du trophée, c'est dommage. Mettre la couleur de base alors. Ok, ça... Les tables, ben on les a vues. Je peux en faire une immense si je veux, c'est ça qui est bien. Mais elle est très haute, quoi. Ça n'a pas de sens. Elle est immense. Qu'est-ce qu'on a ? Oh oui, les statues du dodo. Les mains et dodo. Décoration saisonnière. Ouais bah je sais pas, écoutez, hein, je mets ce que je peux avec. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai.
Non, mais c'est... non. L'arbre, pourquoi pas, mais les cadeaux, faut pas déconner. Hein. Faut pas déconner, en fait. D'accord. Bah, c'est fantastique. Le giga de Douai, pour le moment. Pas tout à fait au centre, évidemment. C'est cool. Petite jardinière, let's go. On va planter des queues-trucs, des dictames, genre. Tac, tac. Ouais, c'est 15 secondes quand t'es dans ta salle à toi et c'est 10 secondes quand t'es dans la salle du prof. Pareil pour la plante. Elle met 10 minutes. Normalement, je crois que c'est 6 minutes ou même moins. Faut que je me fasse des popos de soir. Hein. Fin de préparation, souplesse, une bouteille. Comment ça, souplesse? Faudrait que j'aille ramasser des compos parce que je commence à en avoir moins. Parce que j'y suis blessée souvent. Parce que la vie elle est dure. Tac et la dernière, on en refait une. Non, on en refait encore une autre après. Ouais. Tant qu'on est là, on en profite. Après, je peux la faire apparaître quand je veux. Vous avez préparé beaucoup de potions. L'oxymore s'est fait bobo. Ouais, mais l'oxymore est mort. Enfin, elle mort. Bah ouais, je suis en difficile. Hein. Petite espèce mignon ici, je l'aime bien. Eh ben, c'est fantastique, hein. Tiens, je l'ai pas personnalisé, lui. Mais il est joli, comme ça. La couleur de base est jolie. Et ça, si je personnalise... Bon, je verrai plus tard. Quand j'aurai débloqué un peu des trucs. Et lui, c'est juste pour l'ambiance. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Ah oui, chaleureux, c'est la première. Ok. Finalement, ne changeons rien. Mais merci, Chick. Eh ben, let's go. On va partir de notre salle, on a enfin la salle sur demande, c'est trop bien. Ah, il y a ça que je veux personnaliser quand même. J'aimerais bien voir tout. Voilà. Oh, c'est sympa ça. Et les volets, ils passent à travers des trucs. Même si Pierre est parqué comme ça, ça fait bizarre un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, je sors comment? Je sors comme ça. C'est fantastique! Ouh, un joli décor. En choisissant des équipements plus puissants. Comment ça, j'ai des équipements puissants que j'ai pas équipés? Mais c'est pas vrai. Ok, c'est peut-être vrai. Oh, petite plume. Sympa aussi. Et celui-là va plus dans le thème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon inventaire? Message de la baignoire. Eh, franchement, pas obligé de me mettre ça dans mon inventaire.
Elle apparaît tout le temps quand je viens ici? Ouais. Ok. Bon, quelle est la suite? Mais en tout cas, ça c'est bien cool. Dame Lux de la cour du Mont Blasé, regarde un peu ce swag. Non, j'ai un superbe style. Personne n'y prend mon style. Ici c'est bon, tout est fini. Ça me gratouille, hein, dis donc. Des coffres à ouvrir, mais ce sera plus tard. Enfin, des portes à ouvrir, des coffres derrière. Ça c'est en haut. Bien. Alors la suite. Équipement. Bon, quête. Trouver Sébastien. Sur les papillons, les clés. Essai en vol. Parler à Paris Pipin. Ok, on va faire ça et puis après on fera une quête, notre quête principale là. On va bouger un peu. C'est là-bas du coup. Ok. C'est celui des popos. Toute personne stylée. Et comme toute personne stylée, elle fait la gueule, tout à fait. Bah disons que faut que t'aies l'air de d'en avoir rien à foutre, d'avoir du style. Ça te rend encore plus stylé. De soins sur notre spécialité si vous en avez. Applique le rien à la tenue principale, t'as un pyjama toute beauté. Mais j'en ai aussi effectivement en skin, tiens, un truc qui ressemble à un pyjama. Et t'as une petite cote. Et c'est effectivement assez assez fantastique. Parlez, oui. Bonjour. Déjà, je vais vendre des trucs. Pour vous aujourd'hui. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. À bientôt, c'est maintenant. Bonjour, allez. Monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste un livre de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même. Mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Non, oh, la relou. La qualité de mes potions, mais non. J'ai le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment. Oh, ça dégoûte. Je vais charger à ma place. Je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Avec plaisir, on s'en fout. Ça serait un plaisir de vous aider. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant, vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis. Une voix qu'on entend tout le temps dans South Park. Je sais plus comment s'appelle le comédien. J'ai jeté un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Ok. Alors. Pourquoi je vais lentement? Ouah! Est-ce qu'il y a des trucs que je peux avoir ici? Non, mais il y a toujours 1 500 000 cadenas. Ici, j'ai vu des trucs.